Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on va faire de la découpe et de la gravure laser avec la Ortur Laser Master 3. Bien, tout d'abord, je voulais remercier le site Sinis qui m'a envoyé cette machine. Cette vidéo est sponsorisée. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Juste en dessous. Alors, pour cette machine laser, la Ortur, je voudrais revenir sur quelques paramètres. On va voir quelques paramètres en détail. Ensuite, on va faire le montage et on va faire nos découpes. Alors, c'est un laser 10 watts. Donc déjà, on peut aller à une vitesse de 20 000 mm par minute. On a une précision de 1 centième. En coupe, en une seule coupe, on va pouvoir couper du bois jusqu'à 12 mm en une coupe. On va pouvoir couper de l'acrylique, du plexiglas 10 mm et en maximum, avec plusieurs coupes, on va couper du 20 mm en bois et du 30 mm en plexiglas. Donc moi, je suis curieux de voir tout ça. On va monter la machine et on la teste ensemble. Allez, on déballe. Bon ben voilà, c'est déballé, comme vous pouvez voir, ben c'est déjà pas mal préassemblé. Donc on va continuer l'assemblage, comme ça on a déjà quelques courroies, vous voyez pour le chariot ici, qui sont déjà assemblées. On a la notice avec, on a tous les éléments, maintenant on va monter ça. Bien, bon, ça y est, c'est monté. Donc là, avant de la mettre en route, quelques petits conseils. Ce qu'il faut faire attention, j'ai failli me faire avoir, c'est quand lorsqu'on passe les colsons dans les trous, pas choper les courroies. J'ai failli choper la courroie ici en même temps, et là tout de suite. Sinon, ça se monte super bien. Les vis, tout ça, l'ajustement, franchement, c'est de qualité. Donc là, pour la mécanique, cette première partie est terminée. Sur le site Sinis, quand vous allez commander la machine, ben, y a un petit cadeau offert. Et moi, ce que j'ai choisi, c'est la platine qui vient juste en dessous pour faire mes découpes. Donc, je termine de monter ça et après,
On va dans le cœur du sujet. Bien, bon, ça y est, j'ai fait tous mes tests, on va les découvrir ensemble. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dessiné une scie avec mon petit logo à l'intérieur et une découpe. J'ai fait ça dans du contreplaqué de 5 mm. Et bien ça, en une seule passe, ça coupe. J'ai fait pareil sur le fond du tiroir. J'ai fait de la découpe dans le panneau en 3 mm. Pareil, ça découpe super bien. Donc, ça va pouvoir me faire créer plein de projets, pas mal de projets qui arrivent déjà dans ma tête. Sur les panneaux, ici, en mélaminé, j'ai fait varier un peu la vitesse en gardant la même puissance laser ou alors de garder une vitesse constante et en changeant la puissance du laser. Donc, ça me permettra de faire de la déco sur des portes. Pourquoi pas, là, le châssis bouge sur une table. J'imagine plein de projets. Ensuite, j'ai fait une découpe pour voir un peu dans du 10 mm. Ça a presque coupé, mais là, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, il y a pas mal de paramètres. Le contreplaqué, de quelle nature il est, la puissance du laser, la vitesse, tout ça, etc. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc, je vais déjà voir moi de mon côté pour utiliser tout ça. Et je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo
quelques petites choses ou quelques petites astuces. Moi, ce que je vous conseille là-dessus, c'est d'acheter la pompe à air. Ça permet d'avoir une autre, comment dire, il y a de l'air qui arrive au-dessus, donc on brûle un peu moins la surface. Ça sera certainement mon prochain achat. Moi, je voulais remercier encore le site sinismol.com pour m'avoir envoyé cette machine et faire tous mes essais. Il y a deux codes promo, le DS105 et le DS20. DS105, c'est 105 euros de remise sur la machine et le DS20, c'est 20 euros de remise sur l'ensemble du catalogue. Alors, vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Vous savez tout ce qu'il vous reste à faire, mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.